Bonjour Dominique Légitimus, on est ravis de t'accueillir au Cinéma Martinique Festival. Peux-tu te présenter ? Ok, donc je m'appelle Dominique Légitimus, je suis à la base compositeur, guitariste et arrangeur. Depuis une quinzaine d'années, j'ai l'occasion de travailler dans le domaine de la musique à l'image, donc beaucoup de courts-métrages, des documentaires et puis des incursions dans le domaine du cinéma et puis de la série télé. Et en parallèle, je suis aussi formateur certifié Apple sur un logiciel qui s'appelle Logic Pro 10, qui est très utilisé par les compositeurs de musique à l'image. Et ça fait 10 ans que j'enseigne ce logiciel-là, donc aussi bien auprès de musiciens, de techniciens, d'auteurs-compositeurs, et aussi dans des écoles de cinéma, vis-à-vis des publics qui justement se destinent à la composition à l'image. Tu interviens au Cinéma Martinique Festival dans le cadre d'une masterclass sur trois jours sur la composition à l'image. Quels sont les grands thèmes que tu proposes ? Qu'est-ce que ceux qui vont y assister vont pouvoir avoir comme information ? Alors c'est une initiation à la composition à l'image et surtout de voir comment à travers l'outil informatique, donc notamment ce logiciel sur lequel je forme, ce sont autant d'aides à la composition à l'image en fait. Hein. Et par ce biais-là aussi sensibiliser donc les personnes, les stagiaires, à la spécificité de composer à l'image qui est vraiment différente du fait de composer de la musique actuelle, de composer une chanson. Et souvent les gens qui viennent de la musique actuelle ont des problèmes d'adaptation pour arriver à trouver leur équilibre musical pour composer à l'image, puisque il faut se déshabituer du conditionnement qu'on a du fait qu'on travaille dans la musique actuelle, du fait que c'est très formaté, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de mesures, il y a une tonalité, il y a un début, une fin, donc c'est très structuré généralement quand on vient de la musique actuelle, alors que quand on compose à l'image, il faut apprendre à composer de manière déstructurée, et ça souvent c'est un problème en fait. Donc cette masterclass pour vraiment initier les gens à cette problématique et à cette spécificité de la musique à l'image, et qu'ils comprennent bien qu'est-ce qui est en jeu quand on compose à l'image en fait. Donc c'est vraiment le but. D'accord, donc les participants vont pouvoir désapprendre pour réapprendre. Voilà, et avoir des espèces de fondamentaux sur lesquels ils pourront s'appuyer quand ils seront amenés à composer à l'image et être un petit peu moins perdus sur comment commencer, comment analyser et comment procéder en fait. D'accord. Dominique Légitimus, qu'est-ce qui fait un bon film, vous qui êtes compositeur ? Voilà, un bon film. Alors, très rapidement, pour les compositeurs qui souhaitent savoir en fait s'ils ont envie de venir dans cette discipline de musique à l'image. Alors, un bon film, c'est assez vaste, hein, mais bon, moi je dirais qu'un bon film, il faut d'abord un bon scénario, il faut un bon réalisateur, et que le réalisateur soit aussi un très bon directeur de comédien. Parce que souvent, il y a des réalisateurs qui sont très techniques, mais qui ne savent pas diriger leurs comédiens. Donc, ce qui fait qu'à l'écran, des fois, ça manque un petit peu de réalisme. Et au niveau de la musique Alors, la musique, c'est... il faut que souvent que le réalisateur, enfin ce qui aide, c'est que le réalisateur ait une idée assez précise de ce qu'il veut dans la mesure du possible, parce que souvent les réalisateurs sont un petit peu perturbés quand ils abordent l'aspect de la musique, parce que c'est là où c'est quelque chose qui leur échappe en fait. Tout ce qui est en amont, c'est-à-dire toute la technique, tout ce qui est la gestion du film en eux-mêmes, ils maîtrisent parce que c'est leur métier. Mais quand ils arrivent à la musique, comme c'est pas forcément leur langage, c'est des choses qui peuvent un petit peu les déstabiliser en fait. Donc la relation entre réal et compositeur est fondamentale. Il faut vraiment qu'il y ait une synergie entre les deux pour que la communication passe et que le compositeur soit à même de traduire ce que le réalisateur va expliquer avec ses mots et avec son ressenti. Et il faut que le compositeur arrive à l'intégrer, à l'analyser et proposer des choses qui aillent dans ce sens. Et parfois même aller au-delà de ce que le réalisateur entrevoit, parce que la musique a ce pouvoir aussi de vraiment sublimer l'image et d'aller au-delà de ce qu'on attend au premier abord en fait. Hein. Parce que c'est vraiment une alchimie, une magie, quand les choses sont bien faites, c'est assez magique. Quoi. D'accord. Quelle est ta vision du cinéma caribéen à l'heure actuelle? Ma vision, alors je suis pas sûr de bien connaître le cinéma caribéen pour être honnête, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a toute une nouvelle génération qui arrive et ça bouge quoi, c'est vraiment comme les jeunes s'approprient les nouvelles technologies et comme ils sont pas formatés, donc ça donne des choses très très instinctives et très spontanées et j'ai l'impression qu'il y a vraiment de belles surprises et de jolies choses qui vont arriver en fait, hein, qu'il y a une espèce de
de bouillonnement qui est en train de se passer dans Guadeloupe et en Martinique, et il y a toute une nouvelle génération qui arrive et qui ont l'habitude de se débrouiller, qui ont l'habitude de faire avec peu, et qui arrivent à faire des choses intéressantes et qui sont nourris aussi à tout ce qu'ils voient, enfin comme le monde de l'image a pris vraiment le pouvoir, on va dire. Donc ils sont nourris depuis pas mal d'années à toutes ces nouvelles façons de filmer, technologies, et ils ont cette capacité de les intégrer et puis de les retranscrire à leur façon, quoi. Donc j'ai cette sensation-là. Mmh. J'ai pas encore eu le temps pleinement de voir tout ce qui se passe devant pendant le festival, parce que je suis un petit peu... Il y a la masterclass qui me prend du temps, mais bon, dès que j'aurai un petit peu de temps, je me ferai un plaisir de regarder tout ça. Quoi. Très bien. Bon, ben, on vous souhaite de profiter des prochains jours de programmation du Ciné Martinique Festival. Okay. Et on vous remercie déjà pour la masterclass et pour être ici avec nous. Okay, c'est pour un pouvoir plaisir. Échanger avec les musiciens et les compositeurs qui veulent en apprendre plus sur cet art. Ben, si on peut aider à faire avancer l'ensemble, moi je suis vraiment, enfin je suis content d'être là, puis de partager, puis de transmettre le peu que je peux transmettre, de le faire, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.